je m'appelle Lox. Bonjour, VOD. On joue à Dark Picture Anthology avec Envy. On est obligé de faire une nouvelle histoire. Il s'excite sur sa manette. Non. Démarrer avec Anthony, démarrer avec Tania. Oh, je teste Tania, moi. Voilà. Tu vois, tu choisis. Je peux rien choisir. Ok, bon, bah prêt alors. Tu dois m'être prêt, je crois. Oui, j'ai déjà mis. Moi, je te vois pas en prêt. Moi, je me vois en prêt. Si. Non. Je suis prêt. Non, il n'y a pas écrit. Ah voilà, là, il y a écrit. Là, il y a écrit, mais il n'y avait pas écrit avant. Ouais, mais c'était pas moi. Non, mais si, c'était toi en fait. Hein. Non. Bah pas si. Du tout. Si, si, mais je te promets. Ah non, mais j'avais vraiment mis. Hein. Moi, je te voyais pas. C'est pas du troll. Moi, oui, bah, je pense que tu. Ouais, je pense que tu sais. Bref. Avec une manette, appuie sur A. Je vais l'allumer. Manette alors, du coup. Ça a marché ? Non, pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Merci beaucoup les guetteuses, merci. Merci Morgane, j'espère que ça va. Merde. Merci pour le braid. Oui. Tu veux avancer, c'est ça? Ouais. Ça tue à chaque fois. C'est une sacrifiction. Peut-être en faisant A plein de fois. Ah merde, ah oui non. Attends. Non, en faisant A. Pas start. Morgane. Oh, quel enfer. Bon, j'arrive, je vais faire pipi. J'en profite. On joue au fait. Salut Killer. Salut Sacrifice. Du coup, salut Zaki, excuse-moi. On est sur Little Hope. Et je joue avec mon frère Envy. Mais du coup, on a commencé. On doit recommencer, ça fait un peu chier. Bref. J'arrive, je vais faire pipi. Vous faites des... Et j'espère que ce sera pas à moi de jouer. Mais j'arrive, hein. Oh non! Je voulais pas faire ça. J'ai le tab, ça fait pause et elle est pas là. Ah non, on est bloqué. Si je spam, peut-être que... Non, pas du tout. Attends, je vais lui virer sa manette. Mande. Bon, ça va pas trop nous aider. Oula, je fais n'importe quoi. Putain, mais ça a rien sauvegardé, cette histoire. Mais ça sauvegarde R en plus. On est bloqué, hein. Oh non, 4. Désolé. J'ai passé un truc. Ouais, t'as fait start en partant et on s'est retrouvé bloqué. Merde. Oh non! Bah oui, t'as fait, je sais pas ce que t'as branlé, t'as fait star, je sais pas. Non, j'ai alt tab, je crois. Et j'essaie de t'appeler direct, j'ai fait Lox, reviens, reviens. C'était trop tard. Je suis désolée. C'est oh grave, merde! Parti, aller me chercher une toute petite pizza.
Oui, mais fais bon, fais attention, quoi. Désolé. Oui, c'était pas grave, on t'en veut pas. Quoi? On me dit menteur, c'est lui. Allez, balance. Quel enfoiré. Merci beaucoup, Zaki. Merci de vous être arrêté. Zaki, elle. De rien. Un souci? Il y a un problème plus loin. Un grave accident. On a dû fermer la route. Ça va. Tout le trafic est dévié vers Little Hope. Est-ce que ça va? Vous avez l'air un peu perdu. C'est vraiment un enfoiré. Ouais, ça va. Il faut juste que je conduise ces gens là où ils vont. Mais un petit détour ne devrait pas trop les déranger. Prenez la route est. Vous traversez Little Hope. Ça ne sera pas beaucoup plus long. Je savais pas que la délation s'était autorisée dans le chat. De rien, Miss Duval, mais si, mais bien sûr, c'est la team. Je unfollow direct. Hop. Je n'en ai cure. Arrêtez de fouetter ce truc, il va se désintégrer. On peut vraiment pas passer le début. Vous êtes sobre juste de faire. Ah non, non, Lox, fais gaffe. On faut arrêter là. Mais j'essaye une gâchette, ça fait pause, on est où là? Un peu moins de 3 mois. C'est bien. Il paraît que les premiers mois sont les plus durs et risqués. Je sais que c'est ridicule, mais. Ça m'aide énormément de m'accrocher à ce jeu. Docteur Duval, ah non, c'est pas moi, Docteur Duval, c'est une autre. C'est juste un crochet. Non, ça ne va pas. Du calme. Mais je comprends. Pitié, je comprends, John, vous pouvez arrêter de me faire la leçon. Vous pouvez faire moins de bruit. C'est-à-dire que pour le début, au moins, tu vas peut-être pouvoir jouer quelqu'un toi aussi. Qu'est-ce que tu n'en penses? On va le découvrir. On va espérer. Arrête, James. Tu sais très bien que ça m'énerve quand tu me prends pas au sérieux. Je te prends au sérieux, chérie. C'est juste que j'ai passé une sale journée. Ça t'étonne qu'ils se disputent encore? Merci, Zakiel. Moi. Eh oui, moi je suis pas comme ça. Moi c'est la comme Denise. D'habitude. Denise Duval. J'ai juste regardé le match avec mes collègues. C'est la seule fois où on entend parler, non, elle? Je vais te croire. Il paraît que certains pourraient perdre leur job. Non, elle a reparlé après. Des années elle redit un petit truc. Okay. Ouais, elle redit des plutôt pour Megan. Qu'est-ce qu'elle a, Megan? Deux petits trucs après. Après 10 bières, on ne voit plus les problèmes. Bah, elle parle à une le créature, le révérend Carson l'a encore gardé après ouais, la ça. Prière. C'est la quatrième fois. Oui, elle moi aussi. Elle va mal, c'est sérieux, James. Tu t'inquiètes pour rien avec cette gosse. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Comme d'habitude. Tu te parles ok, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle elle a pas l'impression quand d'être possédée. Tu auras le temps. Tu te fais une montagne. Ah oui, je sais ce que tu veux dire. T'es en train de te rendre malade sans raison. Trois fois rien? M'occuper seule de tous les problèmes de la famille, j'appelle pas ça trois fois rien, moi. Un coup de main ferait pas de peut-être mal. Peut-être que si on avait eu des enfants à nous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un coup bas. Tu vois pas à quel point c'est dur pour moi. T'es pas la seule à être sous pression. La situation à l'usine est sérieuse, Anne. Très sérieuse. Putain, mais merde, ça fait chier de... Parce que c'était long, quand même. Oui, un peu, hein. Mais je vais très vite. Oh là là. Pas ce soir. C'est bon. C'est bon. Toi, t'es Tania d'ailleurs. C'était très sympa. Et ta voiture est confortable. Et elle, Tania? Non, ça c'est moi, je parie. Ouais. Tout le plaisir était pour moi. Non, ça c'est toi. Oh non! Ah non, c'est moi! T'es marrant. C'est moi qui choisis. C'est moi là. Ah oui, non, d'accord. Oh, putain, on fait pas la même chose du tout. Ah oui, voilà, bah c'est ça. C'est tout l'intérêt normalement, c'est qu'on voit pas la même chose.
Moi, je suis Tania, toi t'es qui? D'ici, loin de ma merveilleuse famille. Bon bah au moins genre on aura beaucoup plus d'interactions tous les Allez, deux. Allez, ne sois pas si dur. Tu vis pas avec. Oui. On se voit. Ah mais déjà ça me plaît plus. Moi je fais le même début moi en fait. Ah moi je fais la nana et en fait elle était avec son copain. Je suis avec Andrew. En gros je Andrew. Faut que je vérifie dans mon agenda si j'ai de la place. Et ben en fait Tania elle était avec son petit ami. Je me doute. Je passe vers 8h demain. Et ça se voilà, ça se fait des petits au revoir mignons. Oh par contre, il a le symbole d'un soleil chelou au niveau de sa voiture. C'est trop bizarre, au niveau de son. Par contre, tu veux clavier souris moi. Attends, je mets ton son plus fort. Voilà, c'est bon. Je peux attends, bah oui, c'est mon jeu. Je vais peut-être me mettre même si c'est chiant. Moi, j'ai tout mis à fond. Non, mais je vais mettre en manette. Ah, j'ai pas tout mis à fond moi. Tu crois que je devrais? En 4K? Ouais, je pense. Qualité ultra. Voilà, on va voir. Ouais, je pense, tu peux y aller. Ok. Ça va être plus sympa, n'empêche, du coup, on aura beaucoup plus d'interactions, toi et moi. Toi, t'as pas le HDR sur l'écran? Non. C'est un jeu qui fonctionne avec le HDR, c'est pour ça. Ah, c'est quoi le HDR? Qu'est-ce qu'on fait pour l'avoir? Un écran un peu plus cher. Ouais, mais il est bien mon écran. Et c'est bon, je suis prête. Comment on fait pour faire... Ah, il faut faire continuer. Le début de l'histoire est important. Mais on l'a déjà vu en fait. On l'a déjà vu. Faire, ouais. Je vais vous expliquer. En gros, on a fait tout le début, mais en remote play together. C'est-à-dire qu'en gros, on jouait... on jouait en se passant la manette, mais à distance. C'était pas, c'est pas fou. On avait vraiment l'impression de passer à côté d'une grosse partie de l'histoire. Du coup, on a. Si personne répare cette porte, y a mon frère qui a pris fois, le jeu. Pour que cette fois, on joue en multi tout court. Donc, on joue des personnages différents. Donc, en vrai, tout ça, on a déjà vu. Tous ça les. Va. On sait ce qui va leur arriver, tout ça, tout ça. Me dis rien. Il a encore picolé. Ils ont commencé à s'engueuler dès que papa est rentré. À propos de quoi cette fois? Ah, on discute tous les deux, du coup, c'est papa marrant. A encore bu. Quelle surprise. Ils se prennent la tête tout le temps. Ça devient une rengaine, comme un disque qui passe en boucle encore et encore. Beaucoup plus sympa, pour la 36e fois, tu peux aller ranger ton bazar dans le grenier. Hey, ah, ça va plus vite. Non. C'est une collection rare et extrêmement recherchée. Si, on n'a pas le... Elle marche sur le CD, tout ça, tout ça. Eh, hey, attention, Bigfoot, on n'a pas le... la télé... Elle a dû être militaire dans une autre vie. Ça va plus vite. En vrai, si, ça va plus vite. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est Denise dans toute sa splendeur. Fidèle à lui-même. Denise Duval. Comme d'habitude. Non, c'est pareil. Hein. Non, non. Mais en fait, je dis pas que c'est pas pareil, Denise. Je dis que ça a été raccourci. Il y avait tout un long moment où ils étaient devant le canapé, ils discutaient, il y avait la gamine qui regardait la télé, il y a le père qui arrive, qui allume la télé, enfin qui change Qu'est-ce la chaîne. Je veux lui dire, pourquoi... il va au grenier, elle gueule. Ah, je sais pas. Mais parce que, bah oui, parce que normalement il lui a mal parlé. Arrête de faire la folle. Avant, tu sais, il lui a de l'appel Bigfoot. Donc si ça se trouve, elle voulait lui parler. Mais tu sais, tout ça, on l'a pas vu dans ce. Mais non, mais c'est moi, je l'ai eu. Ça, c'est, je l'ai eu pendant que tu parlais. D'accord, je savais pas, excuse-moi. Ah, mais oui, c'est logique, excuse-moi. Moi, je l'ai eu ça pendant que t'étais dans la bagnole. Tu m'as fait oui, peur. Oui, d'accord. Je vous ai entendu parler de moi. Je t'avais pas dit parce que tu connais le début. Donc... Oui, oui, d'accord, je comprends maintenant. Oui, elle marche sur un vinyle en fait. Oui, et là, peut-être qu'elle voulait. Ouais, je sais pas ce qu'elle voulait dire. Et avec Andrew, je lui ai dit d'arrêter de se comporter comme un crétin. En fait, tout le monde la repousse, donc peut-être qu'elle voulait interagir avec tout le monde et à chaque fois, tout le monde la repousse. Du coup, c'est ça qui fait que. Peut-être qu'elle voulait même s'excuser pour le CD. Peut-être. Je pense pas que c'est un lien avec le premier, je suis pas sûr. Je sais pas, on verra peut-être. Je sais pas du tout. On ira voir. Dites-moi le chat si la musique est trop forte, mais en même temps, en parler aux parents. C'est très fort, c'est ce volontaire. C'est pas une bonne idée que je me mêle de ça. Tu me connais, je ferais qu'aggraver les choses. Ça avait l'air plus grave que leur connerie habituelle. Ouais, ils étaient en train de parler de Megan. Elle a fait un truc grave. Mais Megan, elle a fait quoi au final, faut savoir. Je suis vraiment pas étonnée, il y a quelque chose qui cloche avec Megan. Je comprends pas pourquoi tout le monde lui en veut. Ok, monsieur le gentil chevalier servant. Où est la petite princesse d'ailleurs? Vaut mieux laisser Megan tranquille. En tant que grande sœur, c'est, marrant, c'est ma responsabilité d'aller lui parler. Ouais. Ah mais ouais, c'est ça. Comme si t'étais responsable. Oh, c'est sûrement très scénarisé le début. Ouais, le tout début. C'est une scène d'exposition donc. C'est ça.
toute façon, j'ai vu, regarde. Je peux te montrer, collection des personnages. Trajectoire 1-2, regarde. Il y a l'air d'avoir que... Ah oui, t'as deux... Ah ouais, oh, c'est marrant. 1-2, t'arrives à la 3, après... après ah, et la 3, là, t'as plusieurs chemins. La 3, t'as l'air d'avoir plein de chemins. 4, t'en as pas. Voilà, 4, t'en as 2, tu vois. Ah ouais, je pense oh, que là, marrant. T'as que deux chemins. Et je pense que c'est au moment du sauvetage, je pense. Oui, je pense aussi. D'accord, oh, c'est marrant, j'avais pas vu... D'accord, je comprends un peu mieux. Non, c'est un principe qui est sympa, j'aime bien. Ouais, c'est beaucoup plus sympa qu'on fasse chacun notre jeu, enfin le jeu, voilà. Montrer son de ton frère si possible. Ah, ok, je vais... Hop là, j'ai le tap des os. Vas-y, dis blabla. Allô, allô, allô. Ah oui, j'avoue, t'es pas très fort. Avec moi, je t'entends test. Bien. 1, 2, 1, 2, test. Ah oui, je t'avais baissé quand il y avait du monde sur Discord et que j'étais sur mon téléphone. Vas-y, on parle. Ah, peut-être. Ah, oui, là, c'est un peu mieux. Ah oui, là, c'est mieux. Là, je pense que c'est un peu mieux, ouais. Voilà. Je décale et voilà. Attends, bon bah le timer, je pense que c'est un truc. Je pense pas que tu puisses imposer dans les options. Non, c'est un je pense peu... pas. Merci, non, merci à toi de nous de me le dire. Parce que c'est vrai que parfois, ben bah... ah je peux, ah ouais là je joue la, ah je veux voir si elle lui a parlé du coup la sœur. Oh bah du coup je veux voir la scène où elle l'enferme ou je ne sais quoi. Megan. Ah c'est sympa. Là tu me dis. Oui, j'essaye déjà d'ouvrir des portes pour savoir si elle est là. Ah tu vois, moi j'ai pas eu le choix d'allumer le feu, tu vois. Maman. Sur la gazinière. T'es là? Mais bon, comme on le dit, c'est le début, c'est... J'essaie d'appeler maman, elle répond pas non plus, elle s'est fermée à clé. Je vais parler à celui qui est monté. Tu peux? Denis? T'es toujours là-haut? Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux juste savoir comment va mon frère adoré. Pas super. Je marche en silence dans le cette salon là. Cette débile de Bigfoot a piétiné tous mes disques. Moi je. C'est ta petite sœur. En plus, on dirait qu'elle a de meilleurs goûts en musique que toi. Denis, il se plaint qu'elle lui a marché sur ses CD, la petite. Ah, là je vais vers sa chambre, je pense. Ah non, c'est peut-être pas la chambre de la gamine, elle semble trop mature la chambre. C'est peut-être la mienne. Oh mince, je me suis trompée de touche, alors du coup ça fait. 10 quoi. Faut que la sensibilité arrête d'utiliser RT pour prendre le livre. C'est quoi RT? C'est ça. Voilà. J'ai fait l'autre gâchette et il a pas aimé le jeu. En fait, je sais ce que je vais faire. Moi, je vais te... Tu peux mettre sur le deuxième écran mon stream, non? Ouais. Au pire. Comme ça, on peut se dire les choses. Hein. Ça n'empêche pas qu'il faudra quand même se dire les choses. Oui, mais, parce qu'on verra pas. Mais ouais, au moins, ouais. Ça peut nous aider à comprendre. Genre là, clairement. Regarde, machin, tu vois. Oui, oui, c'est ce que je me disais aussi. Je me disais, ah, ça peut peut-être niquer un peu le côté on partage. Mais en fait, bah, du coup, sur son écran... Ah, j'aimerais bien vous mettre un petit écran, vous voyez. Ah ouais, tu peux, ah, attends, tu peux je vais faire ça. Je vais faire ça rapidement. Vas-y, vas-y. Ça bah, je te limite de toute façon. Yep. C'est un jeu à base de vidéo, il n'y a pas de mouvement rapide, donc la qualité, même sur disque, elle sera correcte. Ouais, tu penses? Capture. Ouais, clairement. Et si on veut gagner, je sais pas, peut-être. Est-ce que sur ton disque, il est en. Est-ce que ton Discord, il a un abonnement ou pas? Non. Un Nitro? Ok, dommage. Non, j'ai pas. Moi, le mien, il a plus. Il a perdu il y a quelques jours en plus, c'est dommage. Ah c'est con. C'est pas grave, je vais faire juste la capture d'écran. On peut stream en HD, mais bon après ça ira. Si tu mets une petite fenêtre, pas je besoin d'être une petite fenêtre, de toute façon. En full HD, je vais dire. Pas du... C'est déjà en HD. Donc. Alors hop, je vais réduire, parce qu'on est en... On est sur un salon privé. Je vais mettre ça en petit, alors je sais pas où le mettre par contre, sans que ça gêne trop. Est-ce que... Peut-être mettre à la place de ma... En haut à droite, attendez. Est-ce que c'est vrai que c'est une fenêtre assez grande. Comme ça, là, c'est peut-être pas mal. Et moi, je cache ma cam, de toute façon. Ou alors, je mets sur ma cam, peut-être. Ouais. Les choix sont... Ouais, c'est mis en bas, je sais pas. Ouais, en bas, essaye en bas. Je vais mettre en bas, je vais mettre ma cam par-dessus et je l'enlève ma cam facilement, donc voilà. Tac, je vais juste la mettre... Non. Mais oui, et toi, mets-toi en opacité réduite sur ta cam. Ah ouais, mais le temps de faire ça, je vais mettre 5 minutes à trouver. Voilà. Là, il t'aurait fallu le fond vert, je pense, au pire. Si tu voulais rester à l'écran. Tu te mettais sur le fond vert, tu pouvais te caler. J'avoue. Ça fait beaucoup de préparation. Enfin, on prend deux secondes. On va y jouer un petit peu, donc...
Hop là. On va être encore quelques heures dessus, donc je pense que... Attendez, je vais voir si là, si je mets le fond vert, est-ce que je peux tout de suite, avec la lumière ambiante, avoir... Ouais, tu peux voir si tu peux tout... T'as juste à le dérouler, le fond vert, de toute façon, maintenant. Ouais. Ouais, c'est ça qui... Bon, voilà, vous avez la mise en place du setup. Ah, tu l'as... Putain, j'ai toujours cru que tu l'avais accroché au plafond. Non, il est au sol. Ok. Hop là. Là, tu peux t'intégrer un peu plus facilement, un peu plus d'immersion pour le jeu qu'on fait. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais tu as raison. Je fais ma feignasse, mais t'as complètement raison. Et t'as vu comment tu fais ? Tu protèges le micro maintenant, en fait, de l'affichage. Ah non ? Enfin... Bah, les gens le mettent en vert. Ah oui, oui. J'ajoute tu peux même acheter des mousses vertes et tout. C'est pas con. Hop. Mais plus en haut, là, vous cachez les choix. D'accord. Il a pas tort, je crois que les choix sont souvent en bas. Ouais, je sais pas où ils sont. Attends. Bah, dès qu'on en verra un, on verra. Écoutez, hein, tant pis. Mais je pense qu'ils sont à peu près là où t'es. Voilà, attends, ils sont j'ai allumé. Ouais. Du coup, là où j'ai mis, donc je pourrais mettre en haut à droite peut-être l'écran d'Envy. No, God. Ouais, peut-être no, plutôt en haut, God, clairement. Please, no, no, pardon, pourquoi il y a des trucs qui dépassent sur ta capture no. Pourquoi c'est blanc un peu? What the fuck, ça vient d'où? Ah putain, c'est toi, Hertz. qu'est-ce que tu dis, truc qui dépasse? Comment ça, truc qui dépasse? Sur la capture que t'as fait de mon ah jeu. Ah oui, t'as raison. Voilà. Et c'est pas symétrique. Symétrique le truc. Oh. Ce sera plus clean, ce sera plus clean. Ouais, mais c'est que c'est foncé en fait, je vois pas bien. Tu peux mettre un morceau alors, de d'écran noir. Tu sais quoi, je vais un tout petit peu crop voilà. Les côtés, je pense que c'est pas très grave. C'est ça. Et non, mais le tour, tu peux faire un. Ça te donnait un petit côté 16/9, c'était plutôt sympa, t'aurais pu laisser. Mais bon, c'est pas grave. Ok, ouais, bon. Non, c'était en dessous, en bas et en haut, si tu voulais, qui est le côté 16/9 surtout. En bas et en haut? Ah bon? Ouais, bah en fait, si tu veux donner un côté cinéma, faut qu'il y ait des bandes noires en bas et en haut. Ah. Mais pas sur les côtés. Alors en bas, le problème, c'est qu'il y a... Ouais, mais tu fais léger, tu fais une légère bande noire, t'as pas obligé de... Tu remontes plus haut. Non, mais... Ah, fait, mais ça, c'est normal. Non, mais ça va être en tout petit, en fait. Donc non, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Je vais mettre un petit. Ouais, un petit, parfait. Voilà. Petite bande noire, c'est parfait. Non, mais on verra. Enfin, on verra pas vraiment. Oui, on les verra. Comme ça, vous pensez que ça va? C'est pas trop gênant? On va tester un tout petit peu. Là, on est en pleine expérimentation. J'aurais dit, t'aurais dû laisser les mêmes bandes noires en haut, la même taille. Mais... On va voir. Tant pis, on va tester. Voilà, qui comme ça, vous voyez ce que. T'as vu où sont les choix? Ouais, on voit pas mes choix par contre. Faut que je si vraiment. on voit bien j'ai rien dit. Ouais, mais on voit pas ce que tu vois, on voit pas écrit, tu vois. Il a neigé aujourd'hui et je suis coincée à la maison. À m'engueuler avec M pendant que maman fait le ménage. M est insupportable. Il faut la surveiller constamment. Ah, Megan. Il suffit de détourner les yeux pour qu'elle sème la pagaille. Aujourd'hui, je l'ai trouvée en train de jouer avec des allumettes de papa. Heureusement, elle n'avait rien allumé, je l'ai giflé, elle a pleuré. Maman m'a engueulée. Je suis restée coincée à la maison toute la journée, vais au boulot, je déprime. D'accord. Je crois que c'est moi qui... Je crois que c'est mon personnage. Oui, c'est toi, ça. Donc, c'est pour ça que... Donc, c'est pour ça que lui a dit Tania a fait quelque chose de grave. Et c'est pour ça que là, j'avais des allumettes dans la main. Ah. Et qu'il les a... Enfin, je sais pas si c'est complètement le hasard, mais il les a regardés un peu bizarrement au début. Les gens qui restent, c'est d'avoir des petits yeux. Sinon, je mets pas, hein, j'enlèverais. C'est juste que ça peut peut-être être intéressant de voir le point de vue d'Envy. Sinon, je le garderais juste pour moi et puis tant pis. Là, on teste dans l'intro. De toute façon, c'est qu'une intro. Je trouve le concept intéressant, mais voilà. On découvre. J'ai trouvé un bouquin. Procès des sorcières des Nouvelles d'Angleterre. C'est marrant. Je peux pas tourner les pages, visiblement. Je peux juste lire le titre. Vous pourrez pas trop voir les choix, mais vous pourrez voir au moins les actions. Ce qui est peut-être intéressant, déjà. C'est bien visible, quand même. Oui, je trouve ça va. Vu que la qualité du jeu est bonne. Innocence.
Ah, là j'ai trouvé un objet, c'est quoi ? Secret découvert. J'ai jamais compris sa fascination pour ces trucs. Ah, un pèlerin. Ok. Oh, mais c'est la chambre de la petite, ça, ou pas, du coup ? Non, je pense pas. Non, non, c'est la chambre de deux gamins, bah des deux ados. Ok. Le padre, il s'est rendormi. Ouais. Ouais, direct. Ah, je fais les battements aussi. Il s'en fiche. Ah, j'entends Megan. Ou Morgan. Je ne les intéresse pas. Megan. Elle parle toute seule. Dans sa chambre. Il ne me voit pas. Donc elle dit quoi que... On entend. Elle dit... Pour eux, je suis invisible. Elle dit pour eux, je suis invisible, ils me voient pas, ils s'intéressent pas à moi. En gros. Ce n'est pas bien du tout. Alors, pupil name, le bureau de Megan. Je ne veux pas faire ça. Ah, la tendance. Dit, ah, j'ai la tendance. Ah bah oui. Ah. Elle dit non, je veux pas faire ça. Elle a juste dit ça, mais toute seule dans sa chambre. D'accord. Là, oui, je regarde la feuille, c'est, non, ouais, c'est le carnet de l'élève. De ma faute. C'est pas présence sur 6 semaines. Ça va ? Donc la première semaine, pas d'absence, la deuxième, une, 3 absences, la troisième. 7 absences, la 7ème semaine, visiblement. Hey, oui, c'est ce qu'on avait vu, ouais. Ah bah tiens, je dis à qui tu parles. À une personne qui, elle, s'intéresse à moi. Ah ouais. Arrête d'être bizarre, mais de quoi tu parles ? Je vais demander de quoi tu parles. Elle dit, mais de quoi tu parles à quelqu'un qui s'intéresse à moi. Ouais, d'accord, le côté solitaire. Oh ! Un piaf s'est écrasé c'est sur la fenêtre de la gamine. Elle fait peur, je fais là. Je vais voir s'il y a des choses dans la cuisine. Je rêve. Ah ! Mais quoi que c'était ? Hé, Megan ! Anthony, t'es là ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Une horloge qui a fait un énorme bruit. Qu'est-ce que tu fabriques ? Ah, et moi je suis enfermé dehors. Je m'appelle. Anthony, oui. C'est pas vrai, ça y est, m'a enfermé dehors. Anthony, ça me fait vraiment pas rire. Putain, le bad. Le pif m'a fait sursauter. Le pif. Ah bah, dans mon chat, c'est le pif qui s'est écrasé qui a fait sursauter. Ouais, ah, on voit la même chose là. T'as raison à propos de ma famille, elle dit. Ouais. Putain. Horlogophobie, si on appelle ça. Oh, le truc derrière. Qu'est-ce qui se passe ? Cette petite peste m'a enfermé. Je suis en train de geler, moi. Je viens t'ouvrir, doucement avec Megan. J'arrive. Ah, bah, du coup, ça va être à toi de faire le choix. Hop là, je cache ma cam. Merde ! Megan ! Ouvre-moi ! La cuisine est en feu! C'est pas vrai, tu déconnes! Oui, effectivement. Attends. Megan? Dégénère un peu vite, oui. Un petit peu, oui. Effectivement. Ça prend feu un peu vite aussi. Maman? Vous êtes tous passés! Anthony! À l'aide! C'est qui ces squatters? Mais c'est pas des squatters, c'est le propriétaire de la maison. Là-haut! Mais qu'est-ce que tu fabriques là-haut? J'étais coincé dans le grenier! Essaie par le balcon! Anthony, à l'aide! Je pensais qu'il y avait personne d'autre, mais si, c'est une famille! Alors apparemment famille en mode recomposé, enfin pas recomposé mais famille d'accueil. La mort est terrible. On va faire. On va vider la fenêtre, oui.
Ah, c'est à toi de faire le choix. S'il avait appelé pas de patrouille. Attrape la gouttière et essaie de descendre. Ah oui. Allez. Non, descendre. Oh mais je vois le pire choix au monde. Ah, je vais tomber et je vais me briser la nuque. Je suis sûre. Carrément, c'est pire que ce que je pensais, je me fais pendre. Ah, carrément. Oh, au moins, c'est une remorque rapide, mais... Elle a 2 cm de haut. Oui, je suis d'accord. En vrai, c'est ce qu'on s'était dit la première fois où on a vu le truc. On s'est dit, mais saute. Tu te brises les genoux. Brise les chevilles, c'est pas grave, au pire. Sinon, si t'es doué, tu te brises rien du tout. Tellement horrible que c'en est drôle en fait. Et c'est pas de bol hein, non. Je vais faire un truc après pour désafficher l'écran d'ennemi quand on voit les mêmes scènes. Ne vous inquiétez pas. Ça c'est fou, c'est vrai qu'il se suicide quand il même. Il se suicide après. Bah oui, parce que là j'ai... Trop, en fait, quoi. Il arrive pas trop, c'est à trop, genre. Et ouais, c'est... J'ai l'impression de regarder Destination Finale. Oui, je suis complètement d'accord. Alors attends, je fais juste un truc. Désolé, un peu chiant, mais... Hop là. Je vais juste... régler un truc sur mon stream deck pour cacher facilement l'écran d'Envy quand on voit exactement la même scène, puisque c'est un peu dommage d'afficher ça. Je fais ça très rapidement et je vous promets après... Ouais, tu doubles la scène et tu vires une avec l'écran. Il y en a où tu vires l'écran. Ouais. Non, je peux juste virer une source. Ah, problème. Tu peux faire un raccourci pour ça. Oui. Juste, voilà, visibilité de la source, hop. Et là, bah, c'est le tout début du jeu, Hertz. On est vraiment au tout début, ouais. Et donc, voilà. Il s'appelle comment t'as, vraiment, c'est le tout départ. T'as une famille qui, voilà, ça a l'air d'être une soirée banale à la oui. base. Et... Oui, c'est ça. Hop. S'appelle capture d'écran 4. Je m'en fous, j'appelle ça comme ça. Scène, hop. Dommage qu'il n'y ait pas le... Voilà. Et du coup, je peux la désafficher quand je veux avec mon stream deck sans alt-tab ou quoi que ce soit. Ce sera plus sympa. C'est bon. Là, tu peux désactiver, je crois. Pourtant, il y avait plein d'infos pour la suite. Ah oui, bien sûr, mais vu qu'on l'a déjà vu une fois... Ça aussi, on l'a déjà vu, malheureusement, c'est très long. Mais bon. Mais au moins, la scène de départ est plus intéressante comme ça. Faut l'avouer. Surtout qu'en vrai, on a récupéré plus d'infos que tout à l'heure. Désolé, j'ai mal placé mes scènes, excuse. Oui, complètement. Comme quoi, on passe vraiment à côté de trucs si on fait le multi comme ça. Ouais. Mais en fait, c'est que c'est intéressant quand tu le fais en... Avec qu'une POV, bah t'as qu'une POV, donc t'as les informations oui. d'une POV. Donc c'est aussi. Ça a aussi un côté intéressant. Ouais, c'est ça. Là, forcément, ça va faciliter certaines choses aussi. Générique de série. Fulter. Générique d'une série. Ah putain, on peut pas le passer ça. Non, on peut pas passer, ça dégoûte, on l'a déjà vu. Ah, puis ça, vraiment, pour le coup. On se fait chier. Oui. Bon, faut se dire c'est pour ma VOD. Parce que je vais peut-être pas faire celle d'avant, donc... Ma VOD bénéficie d'une superbe intro. J'ai pas passé le générique, bah bravo les devs. Mais oui, putain. Mais la musique est très forte, mais pour moi aussi, sachez-le. Oh,
Perso, c'est le meilleur épisode de la série, mais on va voir. Moi, j'ai fait que... J'ai testé Man of Medan, j'ai pas du tout aimé. Voilà. C'est la première fois que je vois, ça me dérange pas. Bon, bah ça va. Et là, il va vous expliquer le principe du jeu vidéo. Bonjour. Et enchanté. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Je me trompe ? Couille. Peu importe. Bienvenue dans ma collection. Je suis le conservateur, le gardien de toutes ces merveilleuses histoires. J'ai là un récit très spécial à vous faire narrer. Déconcertant, non ? Je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'histoire qui nous intéresse n'est pas définitive. C'est encore une esquisse que vos choix participeront à compléter. L'incendie ? Non, vous ne pouviez rien faire pour éviter cela. Ce qui est fait, fait. La mort de la fille est quand même vraiment horrible, quoi. Enfin bon, tournons-nous plutôt vers l'avenir. La vie n'est qu'un fantôme errant. Vous êtes sur le point d'entrer dans le plus trouble, le plus dérangeant des mondes. L'aspect dérangeant dépendra de ce que vous choisirez de croire et l'aspect trouble du chemin que vous voudrez suivre. Oui, je suis d'accord avec toi, Bouba, tu n'aurais pas choisi ce doubleur-là par rapport à... Il existe ouais, un grave. Nombre infini de directions dans lesquelles on peut voyager. Après, c'est une il bonne est voix... trop jeune pour ce genre de voix. Nous je pense que c'est parce que c'est une bonne voix de conteur. Et lui, c'est le conteur, en fait. C'est comme ça que je vois, moi. Une voix en ouais, espérant c'est ça. Obtenir la clarté et le résultat que nous voulions. Mais oui, je voyez-vous, suis un peu d'accord. Vous allez déterminer l'issue de ce récit ensemble. Ce que chacun fera affectera souvent l'autre. Donc, ah, ça, bien c'est que rigolo. Vous soyez deux personnes, vous compléterez cette histoire comme une seule. Je me fais bien comprendre. Comme dans la vie, chacun de vos actes comptera. Ils détermineront le dénouement du récit. Vous ne pouvez plus rien faire pour changer le début, mais vous pouvez poursuivre votre périple et influer sur la fin. Vous avez vu le début de l'histoire. Tout... C'est mort. Oh. Combien d'autres suivront repose entièrement sur vous. Tout dépend des décisions que vous prendrez. Que serez-vous ? Pragmatique ? Sensible ? Plutôt la raison ? Ou le cœur ? Artidi, tu peux répéter ? Je suis pas sûr d'avoir compris. Je pense que c'est mieux de relancer. Parfois, l'un vaut mieux. D'autres fois, c'est l'inverse. Mon conseil, si je puis me permettre, c'est... Sois loyal envers toi-même. Mais je ne suis ici que pour consigner ce que vous faites, pas pour vous aider. Je ne suis pas censé intervenir, hélas. Pas mon rôle, semble-t-il. Mais je suis, semble-t-il, autorisé à partager la sagesse de grands conteurs d'histoires maintenant disparus, si toutefois je l'estime nécessaire. Oh! Une dernière chose avant que vous ne partiez. Vous pourriez trouver dans Little Hope des images qui vous donneront un aperçu d'un futur possible. Et oui, ça c'est un mécanisme, une mécanique qui a... se produire. Servez-vous-en. Elles peuvent qu'il y a vous dans les autres opus aussi. Faut regarder les tableaux ou je sais pas quoi. On un enterrement. Allez-y, amusez-vous. Ok. Je amusez-vous. Sais apprécier un bel. What the fuck? C'est grave.
parmi nous ici ne saurait dire pourquoi ce tragique accident. Je m'en rappelais plus de cette scène, merci. Mais réjouissons-nous de savoir que toute la famille est réunie pour l'éternité dans la douce lumière de Dieu. Voilà, tu vois ce symbole ? Eh ben, il y avait... Ah ben voilà, oui, ben, c'est lui le copain de Tania. Et il y avait ça au niveau de son son rétroviseur. Symbole du pendu, là, je sais pas quoi. Alors c'est un soleil, on dirait un peu. Mais ça fait deux fois qu'il y a un gros plan dessus, donc c'est important. Il y avait aussi un gros plan dessus dans la voiture. Écran blanc, bordel. Votre Forrest Gump, tout à fait, tout à fait. Le tome... hein ? Andrew. Comment il s'appelle là ? Tom Hanks, putain, j'avais que Tom. Où est passé Daniel ? Je le vois nulle part. Là aussi, ça va être plus sympa. Parce qu'à un moment, on se sépare. Daniel. Du coup, on n'a pas choisi qui on incarne. Il me semble. Merde. Mon téléphone. Ah si, au début. Si, si. T'es là ? Si, toi, au début, ouais. Si, ouais, moi, ouais, j'ai choisi, ouais. Toi, au début. Et tu cherchais tout à l'heure... Pourquoi tu dis rien ? Hein ? Ah d'accord, t'as rien dit. Ah non, je... Ah non, moi j'ai pas de... Je suis pas avec toi. Ah d'accord. Moi je vois encore... Ah tu... putain, tout tu... va bien. Ça a déjà commencé. Ah mais moi je suis de l'autre côté, moi. Je suis avec la vieille et Daniel. Doucement, y'a pas le feu. Arrête d'accord, de jouer les vieilles dames. Parce que c'était elle en fait. C'était Taylor, donc je crois que c'était toi. Eh ben non, je crois que j'incarne Daniel. Ah non, t'avais... C'est pas moi la vieille dame ici. C'est quoi ce truc ? Et moi je suis... Ah ouais, je suis Daniel, c'est ça. Ce qui s'est passé. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Tout est allé si vite. Doucement. Tu viens d'Ajmur, apparemment, ouais. Tu es sous le choc. Ah bon ? J'ai l'air sous choc, moi ? J'aime pas trop ça. Où on est ? Une chose est sûre, c'est qu'on n'est plus dans le bus. Est-ce que tu as vu nos camarades ? Ou notre super professeur ? Ah bah voilà, là tu me vois. Moi là je suis en train d'être Daniel. J'ai une petite cinématique inutile où je vois le bus qui est retourné. Rudesse. Oui. Chauffeur. Bon, intransigeante, quoi. C'est ça, bus. Un peu. Hey, dirais... Daniel, c'est quoi ? John. Je suis rassuré. Daniel ? Taylor, ça va ? Ça va ! Nous aussi, les merci vieux, de demander. Tatillon, tout va bien en bas ? Oui, ça va. J'ai déjà connu pire. Hé, hey, John, vous savez pourquoi on s'est crashé ? Pas vraiment. Je crois que le chauffeur a fait un écart pour éviter quelque chose. Une il est avec vous en bas ? Non, on l'a pas vu. Bizarre. Il est pas ici non plus. Vous pouvez monter nous rejoindre ? La porte est raide. Il y a un chemin ici qu'on peut prendre. Le chauffeur, il était inquiet déjà. Alors, quand il a entendu Vitalop. Il doit rejoindre la route. On se par le garde routier. Entendu. Ah oui, c'est à vrai. Tout de suite. On était très inquiet. Voix française de Morgan Freeman. Ouais, ouais. Et de Dumbledore. Ça a l'air grave. J'espère que Taylor n'a rien. T'en fais pas pour Taylor, va. Ah du coup je vois elle la scène du côté de la vieille et de Daniel. Je sais que Taylor peut être difficile, égoïste, querelleuse et entêtée. Mais à part ça, c'est une vraie crème. Mais il y a du cœur. Mais c'est Taylor tranquille, mais grave. Lâchez-la un peu. Elle en fout plein la gueule à Taylor. La vieille là, vieille jaloux. Je pense que je vais porter plainte contre l'université. Pourquoi ? Une mauvaise soirée ? Ils sont responsables de notre sécurité. Tout ça, c'est de la négligence. Non seulement on se crache au milieu de nulle part,
mais on doit subir les sautes d'humeur de John. Pour l'instant, la priorité, c'est marrant qu'au final, ce soit le juste un rêve, la maison qui brûle. Pourquoi les hommes pensent-ils que les décisions leur incombent ? Je n'ai pas besoin de toi, merci. C'est peut-être une... T'attends quoi ? Un avertissement, enfin je sais pas. Ah voilà, bah moi je joue Daniel. Bah là j'ai pas choisi, n'empêche, de qui je jouais. LB ? Ah ouais, je marche plus vite. Ah bah du coup voilà, c'est marrant, moi je vois un petit peu autre chose. J'ai une peur bleue de l'eau. Depuis toute petite, je refuse de traverser. On a j'ai fait les mêmes choix, mais j'aurais voulu en faire différent. Et vous avez peur de vous mouiller ? Mais tant pis. Il faut me comprendre. Ouais, c'est ça, je suis fidèle à ce qu'on a commencé. Ouais. Tout va bien se passer. Bah ça définit son trait de personnalité à elle. Ah ! J'ai un QTE. Idiot. J'appuie sur A, puis sur A, puis sur A. Allez, c'est facile. Quel enfoiré, ce chauffeur. Ah merde. Eh oui. Eh oui, faut pas le tap, faut pas... Non, non, c'est LB. Ah oui, pareil. Non, quelle horreur. Elle m'a fait tout à l'heure. C'est bien, continuez. Ah, je pense que je vais peut-être devoir la rattraper. Qu'est-ce qu'il y a, hein ? Mais au pire, tu te mouilles les pieds, c'est pas grave. Merde, oh là. C'est pas encore fini. Ah oui, parce qu'elle a peur. Ouais, je me doutais. C'est carrément une scène de what alors, the fuck. Alors, tu peux être galant quand tu veux. Merci. Et toi, je regarde. Ah oui, ouais, j'ai une vraie scène, mais je m'en doutais tout à l'heure quand on les a vus différents. Bonne nuit, killer, des zoubis. Bonne nuit, killer. Tu as entendu ? Hein ? Comment ça, j'ai entendu ? Ah, ça y est, on voit la même scène. Je suis content de vous revoir. Enfin. Est-ce que tout va bien ? Ouais. On a fait un petit tour. On peut enlever du tout. Ce qui du est sûr, c'est que vous avez pris votre temps. J'étais inquiète. Stream de professionnel. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est une bonne idée de mettre ta POV, j'aime bien. La grille est fermée. Il y a une chaîne. Fouillez un peu. Essayez de trouver quelque chose pour la forcer. Tu crois que ça va marcher ? C'est bon. Je vais pousser de mon côté. Vas-y. 3, 2, 1, pousse ! Oh ! Admirez un peu le travail ! Bravo à vous deux. Toi aussi, t'as du spammer A ? Ouais. Hein ? Ah, comme tout à l'heure. C'est moi qui joue à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, c'est vrai. Rejoindre oui, c'est la vrai. Ville, oui. Essayer de trouver de l'aide. Mais vous savez où on est ? Oui, tout près de Little Hope. C'est bon, ça va être une scène un peu longue, et puis après, c'est bon, ce sera du nouveau. Eh bien, justement, enfin, Little Hope a une histoire aussi sombre qu'intéressante. Ok, monsieur le prof, laissez tomber le cours d'histoire. Il s'est passé des horreurs ici. Il y a bien... Il en a rien à foutre. Et vous mourrez d'envie de nous en parler. Tu commences à m'agacer avec ton attitude. Et vous n'avez encore rien vu. Je peux vous montrer ? Oh. Dédain, méchanceté. Ne rien dire. Franchement, je comprends pas pourquoi elle est méchante avec Taylor, en fait. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît ? T'as dit bouffe ? Non, ce sera plus tard, Adibou. Peut-être mieux que toi. Enfin, dans la journée. Je gaspille ma salive à vous parler. Ça suffit, là. On a assez de problèmes à gérer comme ça. C'est là, tu peux la sacrifier. Occupez-vous de vos affaires, ok ? Compréhension. Tu as raison, excuse-moi. Cette histoire ne me regarde pas. Exactement. On est en train de perdre un temps précieux. Bordel. Il faudrait vraiment qu'on avance. Tu trouves que c'est une bonne idée, toi ? Je veux la rendre gentille, Angela, moi. Et surtout, il faut voyager en bus ensemble, non ? Je sais pas, ils se connaissent comment, c'est quoi l'histoire ? J'étais plutôt d'accord au début, mais maintenant j'hésite. C'est quoi le thème du voyage en bus, à la base ? Trop bizarre, en plus ils sont trois élèves et un prof. Ouais. Okay. C'est le prof qui a parlé d'une sortie, mais Angela, du coup, c'est qui elle ? Elle fait quoi ? Elle fait partie du corps enseignant ? Eh ben non, c'est une étudiante d'âge mûr. Vous direz pas la même chose quand j'aurais chopé une caisse et que je viendrais... C'est pour ça que je pense comme une connasse. Parce que pareil, je trouve qu'elle est vachement immature pour une... pour une prof, tu sais, genre... Et elle fait un petit peu des ragots, genre elle disait des trucs sur Taylor un peu méchants, en mode... Ouais, c'est un petit con. Ouais, un peu, ouais. On est revenu ? C'est quoi ces conneries ? Il se passe un truc vraiment bizarre ici. Au secours ! D'abord il perd sa fierté, ensuite il perd son chemin. Qu'est-ce que vous dites là ? Que tu t'égares ! C'est pas possible.
Je ne sais pas ce que vous essayez de prouver, mais nous avons d'autres chats à fouetter. Daniel ? Oh ! Hé, attention ! Attention ! Arrêtez vos conneries et expliquez-moi ce qui se passe. Le vouvoiement, là, il est mal placé. Ça devient franchement ridicule. Vous permettez ? Et puis c'est la main, alors qu'ils veulent pas montrer qu'ils sont au coup. C'est bizarre. Oui, c'est vrai. Oui, oui, il le montre très mal. Enfin, il le cache extrêmement mal. Quoi ? Mais je suis partie dans l'autre sens. On est coincés, là ! On peut pas partir. Je comprends pas ce qui se passe. C'est vrai. On est allé tout droit dans le sens opposé. Alors, comment on est revenu ici ? J'adore cette animation. On dirait un Muppet. Hein. On est arrivé de ce côté, on devrait pouvoir... Les guignols de l'info. Oui, c'est ça. J'aimerais que tout le monde reste bien groupé. Comment on arrive ici ? Et on ne traîne pas. On se tient tous par la main, c'est ça ? D'accord, c'est bon, je vous suis. Ouais, suis, ouais. T'as vraiment une gamine. Une gamine de 60 piges. Ouais, c'est ça. 70. On entend que c'est une 60 ans, mais mal conservée. Mm. Oui, c'est ça, t'as l'impression qu'elle fait plus vieille que son âge. Ouais. J'aurais mis une voix de jeunette. Enfin, une voix de... Je dois avouer que c'est assez étrange. Ah, une voix tellement magnifique, en vrai. Ouais. Alors, je sais. C'est Françoise Cadol, c'est... C'est exactement ce que je vous disais, on est coincés. On peut pas partir. On fait quoi maintenant ? Calme-toi, une gamine respire. À la retraite, oui, c'est ça. Il y a forcément une explication rationnelle. C'est souvent des voix de reine et tout. Dans l'accident. Oui, autoritaire et tout. Ouais. Bah, c'est la voix aussi de Claire Underwood. Oui, c'est vrai, c'est clair. Aux dernières nouvelles, vous êtes prof de littérature, pas de métaphysique. Continuez, ça ne durera pas. Tout ça, c'est votre faute avec votre sortie à la con. On est coincé dans ce bled paumé. 30 ou 40 voix féminines dans Skyrim aussi. Je ne pouvais pas. C'est vrai, je m'en rappelle même pas. Je ne peux pas me le reprocher. Non mais, vous vous foutez de nous ? Mettre des bandits, change des gardes... De... J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. L'impératrice. Exactement comme toi et comme les autres. Oui, c'est vrai. Je me rappelle. Ah, tu fais un choix. Donc quand tu fais juste un choix, je vous affiche je comprends pas son POV, puisque c'est la même. Je pige pas. C'est ce que tu disais, on nage en plein cauchemar. Mais oui, exactement, putain. On va s'en tirer. On trouvera une solution ensemble. Si quelqu'un pense pouvoir faire mieux que moi... Je laisse ma place. Qu'est-ce que tu fais en fait à part dire je m'ennuie. Faut qu'on se tire d'ici maintenant. J'ai besoin de réfléchir. Vous pouvez pas tous la fermer. C'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide ou qu'on sortira d'ici. Il a raison. Nous en prendre les uns aux autres ne nous mènera nulle part. Nous devons travailler ensemble en équipe. Merci. Soyons méthodiques. La brume se trouve entre nous et le bus. Mais il n'y en a pas entre nous et la ville. Alors prenons cette direction. Je vois pas trop en quoi nous éloigner du bus va nous aider. Il n'y a rien là, de plus dans le bus dans qui puisse nous sortir beaucoup, d'affaires. Ouais. En ville, j'aime il y aura des gens, crise, un téléphone, quelque chose. Ça m'ennuie de l'admettre, mais c'est vrai. Il n'y a nulle part où on puisse aller, sauf dans ça cette fichue. Ça me déplairait pas ville. De savoir limiter. C'est une bonne idée, je trouve. Tu me laisses toute seule ? Où tu vas, là ? Taylor, on devrait les suivre. Tant qu'on n'en sait pas plus, faut qu'on reste ensemble. Anne Giroir. Alors, moi je suis... Oh non, mais je suis la pire hein. Pourquoi t'as dit qu'on était tous morts ? Je suis la vieille, là. C'est possible ? J'ai vu à la télé que le cerveau pouvait fonctionner quelque temps après la... Tu sais ? La mort ? Non, laisse tomber. Le raisonnement était un peu bancal. Le petit chaton. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Non, je sais définitivement pas l'affaire et pourtant j'aime bien. Vous avez vu ça ? Quoi, vous avez vu ça ? C'était quoi ça ? Au moins. J'ai pas vu. On n'est pas seul. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui est passé au niveau de la fenêtre. J'ai bon, pas vu. Bon, on attend quoi ? Arrête d'être désagréable, toi. Oh. Je vais aller voir le chat, mais j'ai pas réussi à le rattraper. Tu l'as vu quand même ? Ah ouais, j'ai vu. J'ai...
Je vais aller. On pourra peut-être. Oh, c'est qu'un chat après. Je vais entrer, jeter un coup d'œil. J'amène cet on. Allez-y, on arrive tout de suite. Pourquoi on va pas avec les autres? Angela sait qu'il y a un truc entre nous. C'est flagrant. Tu veux vraiment qu'on parle de ça maintenant? Tu crois pas qu'on a des problèmes plus sérieux à gérer là? On vous entend de loin. Téléphone là-dedans. En tout cas, pour moi. On est tous un petit peu sur les nerfs. C'est marrant. On ferait mieux de se poser un moment, non? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûr d'avoir déjà vu ça quelque part. Ah! Où ça? Rien d'inhabituel. Est-ce que ça va? Tu es tout pâle. Je suis un peu inquiet. Tu t'es évanoui pendant un moment. Je peux faire quelque chose pour te convaincre que je suis pas. Ouais. Je sais pas. Je me sens encore un peu bizarre. Ah, il a pas l'air bien, un gamin. Choc, ça peut brouiller les souvenirs. Ça finira sans doute par Andrew? Te revenir. Ouais. Ah, on va. On va rester planté là ou vous comptez entrer? Je regrette pas qu'on ait recommencé quand même. C'est vachement plus sympa comme ça. Ah, le chat. On va voir le chaton. Non, c'était pas le chat. Ah bah voilà. Non, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça aussi, ça fait Silent Hill. Hein. Le gars qui te suit et qui a l'air d'avoir un gros équipement chelou là. Ah, on avait vu une pointe. Oui, mais je sais pas, je l'imagine déjà. C'est quoi, c'est un relais routier, je sais pas. Bah non, c'est... on dirait un vieux resto. Un vieux resto. Et le gars ressemble au mec de... bah, à son copain. Ouais. Ouais. Mais d'avant, du coup. Bonsoir. Enfin, son copain dans le rêve, quoi. Ah rêve, non. C'est un rêve. Ah non, non, il est beaucoup plus vieux, non. En fait. Excusez-moi. Ah oui, oui, en effet, ouais. Nous cherchons le chauffeur de notre bus. Je me suis dit, ce sera lui, mais... Ouais, je sais très bien pourquoi t'as dit ça. Bien joué. Parce que de profil, ouais, on aurait pu dire... Ouais, ouais, oui, c'est ça. La preuve, dès que je l'ai vu un petit peu mieux, je fais, bah non, pas du tout, voilà. Qu'est-ce que c'est que toute cette brume? C'est bizarre. Ça paraissait ouais, logique, hein. Une vraie purée de poids, ce soir. Ouais, et ça nous empêche de partir. Ouais, ouais, je connais ça aussi. Au moins, il n'a pas la voix de, alors vous êtes... de Samuel L. Jackson, ça change. Nous avons eu un accident de bus à quelques pas d'ici sur la route. On est encore un peu secoués. Ah, spoil, mais non. Spoil pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Fais un effort. Moi, c'est Vince. Il me faut un miroir. J'en trouverai peut-être un qui ne sera pas recouvert de crasse. Vous avez besoin de leur montant. Black Cat. Merci, mais non, Black Cat. J'essaie de rester lucide. Je vous laisse là. Vous faites quoi? Vous allumez une partie de fléchette? Oh bah oui, bien sûr. Il m'a provoqué. Et bah tu sais quoi, moi je vais picoler, voilà. Moi par contre, je dis pas non. Voilà, vous faites des fléchettes, bon bah très bien. Moi je vais être bourré pour la suite, ça va être génial. Vous ne devriez pas boire maintenant. Clairement. C'est clair. Je crois pas que ce soit une bonne idée. T'inquiète pas. Boire, c'est tout ce qui me reste. Vous faites quoi ici? Little Hope, c'est plus vraiment ce que c'était. Bien visé. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette ville semble complètement déserte. Et surtout, qu'est-ce qu'il fait ici? Ressemble à une ville fantôme. Et cette brume? La vie continue, vous voyez. Mais certains restent à la traîne. Truc de fou, hein. Coincé avec ces gens. Pourquoi vous restez là? Bah oui. Pourquoi vous restez là? Ouais, si cet endroit est mort comme vous le dites, qu'est-ce que vous faites ici? Je vais, je viens. Vous savez ce que c'est. En tout cas, je peux rien pour vous. Mais qu'est-ce qu'il y a, ce type? Pour moi, un truc qui tourne par an. Comment ça? Bah, il a bu, mais il a pas l'air dangereux. Jetons un œil. On devrait trouver quelque chose d'utile ici. Bon, on a pas beaucoup de réponses. J'ai parlé d'Angela, mais elle est juste derrière, je suis sûr qu'elle m'entend. Oh, trop marrant. J'ai dit qu'Angela, elle me saoulait. Oui, bah, elle est saoulante. Affaires des autres. Mais toi, il est dans son monde à lui. Eh ben, on parle au gars qui est là et qui picole tout seul et on essaie de comprendre ce qu'il fout là, mais c'est pas très clair. J'étais plutôt bon dans ma jeunesse. C'est pas clair du tout. Ouais, il veut dire, il est dans son monde à lui, apparemment. Restez, jouez un peu, pas de soucis. Je vais aller faire un petit tour. Ah, bon, la même chose.
Ouais, tu peux laisser parce que... Ouais, non, en fait, oui. Ah bah moi aussi, je veux fléchette, ça y est, c'est mon tour. Moi, j'ai mis tout dans partie, tout ce que je voulais. Et puis, on réfléchira à un moyen de s'échapper d'ici. Tenter de faire un gros double je ou... Je connais les règles, Daniel. Je vais tenter le double 20. Attends, c'est quoi RT? Que je fasse pas n'importe quoi. Ok. Ok, c'est pas mal tout ça. J'ai la technique. Maintenant le triple 20. Ah, c'est marrant, on a chacun notre moment un petit peu de... Hey, secret. Ah oui, ça trouve un journal fermeture de la ville. La ville est fermée. C'est dommage, y a pas de secret. 12 octobre 1979, un journal. Je sais pas quelle année on est, mais on n'est pas du tout en 1979, c'est non. Sûr. Vous êtes un vrai mais tireur d'élite. Vous êtes en 2000 et quelques, tu vois. Par contre, quand on a vu brûler la maison, ça s'en va à cette époque, quand même. Ce qui nous amène ici. Ouais. En vrai, je sais pas si je vais... Ouais, si je vais mettre un petit peu ma cam, là. Je vais dire... Pour les moments où on cherche, pour les moments de cinématique, je mettrai pas. Je vais essayer de reparler au monsieur là, qui semble complètement. Complètement chelou. Oh, j'aurais dû fouiller un peu. Avant. Vous n'avez rien d'autre. J'ai trouvé une photo qui date de la guerre 1917, la première guerre. Ah ouais. Et c'est peut-être dans cet établissement ou un autre, mais. Tout va bien. Il a sans doute un peu trop bu. Moi j'essaie de lui tirer les verres du nez au gars, mais. Il a pas l'air bien et il a l'air un peu d'avoir picolé. Vous pouvez nous aider, je vais lui demander. Vous merci, ne John pas Lacroix. Nous aider. Merci si beaucoup. Si vous pouviez nous aider, bienvenue à toi. Faire quoi que ce soit, on apprécierait vraiment. Arrêtez de dire nous. Hmm? What? Oh, il m'a fait un truc chelou. Dire... Arrêtez de dire nous. Oui, comme si Andrew était seul, genre. Oh putain, ce serait... Oh, cliffhanger de ouf. Cliffhanger de ouf, oui, je sais. Oh. Attends, peut-être qu'il a dit ça dans le sens où il veut pas genre participer oui. Au truc. Tu oh, vois, peut-être aussi. Si, mais moi je sens trop un truc bien plus méta que ça. Ouais, tu penses qu'en fait l'autre il en est... En fait, il... Andrew est tout seul. Et tout seul, ouais, c'est ça. Et c'est des gens morts autour, genre. C'est ça. Ouais, ça... on verra. Ah bah je trouve le journal. J'ai trouvé un journal avec... Enfin, une feuille avec des... Ah d'accord, c'est de l'astrologie. Vote pour la désincorporation. Nouvelle vague de saisie Singfamilie. Lundi, à la mairie de Little Hope, les derniers habitants de la ville ont rencontré Cathy Flynn, le gestionnaire de la crise, afin de voter la désincorporation depuis la fermeture de l'usine textile. La ville a connu un énorme exode ne comptant plus que quelques habitants et des caisses vides. Flynn a été nommé gestionnaire de la ville pour gérer les services publics auprès des derniers habitants. Désolé. T'inquiète. Info Watox, oui, je vais le lire après. Hop. De toute façon, j'avais fini de regarder ça. Ah, examiner. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah non. La photo hey, par terre. Par là. On va continuer vers le centre. Ah merde, je voulais pas cliquer là-dessus, je voulais faire examiner un truc avant. Ah, moi, je voulais aller vers la gauche, c'est dommage. Mais oui, moi c'est aussi. C'est quoi ça? J'ai pas du tout fait exprès, c'est qu'il y avait un truc j'ai à examiner juste à côté. Quelque chose. Merde. Vous aussi, vous avez entendu? Sortons. Oh putain, mais ça fait trop silencieux avec la cloche. Quoi? Ça venait de dehors. Vous êtes sûr que vous voulez retourner dehors? On ne trouvera rien ici. Il faut qu'on avance. En vrai... Bonne chance à vous. Est-ce que j'espère ce gars-là... que vous trouverez votre bonheur. Non. En vrai, ce gars, il a quand même... parlé aux autres... Enfin... au prof, là, j'ai l'impression. Ah, il a parlé à John, quand même? Je crois... Oui, grave, oui, on a oui, interagi... Oui. Attends, les trois fléchettes, tu les avais mis où? Alors j'en avais mis qu'une au centre, je crois. Ah. Ouais, je crois que j'en ai mis qu'une au centre et les autres, bah j'ai visé d'autres trucs, quoi. Là, on vient de récupérer trois fléchettes qui étaient au centre. Oui, comme si elles avaient été rangées. Genre comme si elles étaient rangées. Oui, c'est clé, ça. Ce vieux truc. Trop bizarre, le papier. J'aime bien. Il avait clairement un souci. Qui viendrait dans ce taudis juste pour se la coller? J'ai pas compris. Putain, il a l'air d'avoir une autre salle, je suis deg. Ah oui, mais je suis vraiment désolée. Je voulais pas du tout faire ça, mais bon. C'est pour ça que j'ai pas interagi avec la porte, je sentais trop. Mais ouais, je voulais pas non plus. Je voulais dire dans l'arrière. Je suis pas si sûr. Je t'avoue que je voulais pas non plus. Ou aller sinon. Je m'en veux un peu. Je peux plus entrer. Ah ouais.
Attends, et la fenêtre ? On peut faire un truc ? Franchement... Ah, on peut faire un truc, je crois. Ok. Bon, pas trop d'infos cachées, là. Ça dépend si on a moyen de zoomer ou pas. Ouais, il est juste assis encore au même endroit. Merde. On relance le jeu ? Non, ça va aller. Oh, punaise, je pense que j'ai loupé des indices, là, je suis vraiment deg. Bah attends, on peut regarder. Collection des personnages. Secret. Nouveau. Dans les trucs d'astrologie. Héros local, figure d'autorité, là, viens. Hein. Trajectoire. C'est alors la... Ah, on est là. Mais je comprends le trajectoire en vrai. Mais on a des indices pour plus tard. Bon. Il y avait sûrement une image à trouver et tout, oh là là. Bon, heureusement t'avais fouillé un peu avant. Ouais, j'ai trouvé trois trucs. J'en trouvais un, mais je crois que c'était le même que toi. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas le plus important. On est au début, on est sur l'installation. On a déjà, je pense, compris quelques petits trucs. En tout cas, il y a vraiment un délire à la Silent Hill qui est bah, qui me plaît beaucoup. J'ai un hein. mauvais pressentiment. Ah, mais t'incarnes Andrew, toi. La manière dont cette brume s'est formée... Ouais. C'est bien, ça veut dire qu'on va incarner les personnages normal. Différemment à tour de rôle. Pas toujours les mêmes. Ah. La petite sculpture. Ah oui. Avec qu'est-ce que c'est que ce machin ? What the fuck ? On dirait une espèce de totem. Comme une mise en garde. Ou un symbole lié à des croyances. Ça marche, Booba. Avec plaisir pour le petit-déj. Mais c'est bizarre. Pas rassurant. Je sais pas. Merci je beaucoup pour la game, c'était cool. La brume n'affecte pas que ton sens de l'orientation. Tu es aussi en train de perdre le sens commun. Mais non ! Je voulais juste dire méfie-toi de ce beaucoup que tu... Beaucoup de gens croient encore fermement à tous ces trucs. Vous pourriez en faire partie, vu ce qui nous arrive. Allons rattraper les autres. Je ne passerai pas une minute de plus à côté de cette horreur. Oh, elle est trop désagréable. Les réponses que je peux faire sont toutes désagréables. Vous voulez bien essayer de suivre, vous deux ? Non ! Oh putain ! Je te promets que le screamer, il a marché. Oh putain ! Ça va, je suis content, je l'ai pas eu. J'ai vu un truc ici. Oh là là, horrible. Oh putain. C'est vrai ? Allez, bâtard. T'es quelqu'un qui a couru ? Oui. Il avait l'air d'être habillé en rouge. Ah, moi j'ai vu que des pieds. Putain. De point de vue de ah, je m'y attendais pas vu que tu devais te faire niquer. Je me suis dit, Angela c'est safe, tu vois. Andrew ! C'est un des enculés. Oh, ici ! Je ne vous vois pas. Mais ouais, on les entend comme si... Ah oh putain. Oh non, putain, le son est trop fort, faut que je baisse. Eh, hey, vous pouvez venir voir. Ah là, ça m'a donné chaud. Bon, bah c'était la petite fille hein, que j'ai vue. Oui, j'ai cru voir sur ton écran. Je viens de voir quelqu'un dans les bois. Megan. C'était le chauffeur, tu crois ? J'ai fait un cri de mer, oui, j'ai entendu hier. Sûr d'avoir vu quelqu'un. Sûr à 100%. Qu'est-ce que tu as vu ? C'est une enfant que j'ai vue. Une enfant. Là, tu te paies vraiment ma tête. Oh non, mais je devais juste... Eh, c'était je scepticisme. On va retrouver les autres, d'accord ? Bah, c'est du scepticisme. Venez, vous deux. Oh putain de sa mère ! Oh le truc !
Là, je sais même pas ce qu'on a vu. Hein. C'était quoi? Oui, on a vu. Bah, une genre de cadavre. Un truc gros, hein. C'était gros. Vous avez entendu? Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, fais-moi la balle. Ok, c'est gagné. On a peur. Qui est là? Qui que vous soyez, ça n'a rien d'amusant. John, où êtes-vous? Bah, non, faut se tirer. Ouais, carrément. Allez, prépare-toi au QTE, John, je pense. Où êtes-vous? Je trouve pas ça drôle. Moi, je baisse le son. On se casse. Restez près d'Andrew, trouvez les autres. Ouais, faut que je reste près de toi. Oh mince, tu marches vite? Comment tu fais déjà? John, vous êtes là? Qui est là? Qui que vous soyez, voilà, ça ne nous amuse pas du tout. Je t'ai presque vu disparaître, c'est chelou. Ah bon? Faut que je reste près de toi. Mais comment tu fais pour marcher vite? Gâchette de gauche, mais la petite. Ah, la petite. Hé, venez un peu voir ça. Ah, bon. Je cherchais une couche et je reviens, ça marche. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en sais rien. Ah, tu me le montres? Ah, oh, c'est marrant sur mon écran. Oh. Ah non, c'est moi qui dois le... Eh bâtard. Je vais bien attendre un peu. Oui, moi aussi. Qui êtes-vous, monsieur? J'ai été un peu saisie, mais pas, j'ai pas bien sursaut. Ah, là, on est retourné dans le temps. Ah ouais. Enfin, ou dans le rêve. Dans l'autre monde, moi, je pense. Andrew. Quant à vous, madame? Angela. Je me nomme Marie. Oh! Je l'ai conçue de mes propres mains. Elle ressemble à celle que vous avez. Voulez-vous bien jouer avec moi? Oh, la petite sorcière! Venez jouer avec moi! Joues-tu encore, Marie? Je ne joue aucun tour. Tiens ta langue! Je vois clair dans ton jeu, Marie. Le révérend Carver te portera moins d'affection quand il apprendra que tu ferais avec le démon. Amy, ne t'en va pas. Hertz qui sent du Johnny dans le chat. C'est vraiment arrivé ça. Quoi? Putain. Je ne vois aucun feu. Bah oui. Je les ai vus aussi. Est-ce que ça va? Il y a quelque chose qui va pas ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais maintenant c'est fini. Une petite fille a fait irruption dans la brume, et l'instant d'après, elle avait disparu. C'est une blague? Peut-être que la brume perturbe vos sens. On est tous... Non mais... C'est ça, à cran, oui. J'ai vu une fillette danser juste là, comme je vous vois. La petite a dit qu'elle s'appelait Marie. Moi, on a de l'assurance, Angela. Ouais. Je pense qu'elle crédibilise, vu que lui, il a été dans le coma. De façon de parler, comme dans un film d'époque. C'est vrai, je me suis fait la même réflexion. Oh, mais dans quoi on s'est embarqué, là? Cette gosse, Marie. Elle voulait te faire du mal. Elle voulait te faire du mal. Non. Je crois pas qu'elle voulait me blesser. Et maintenant? Nous n'avons plus qu'à suivre la route jusqu'à la ville. Vous déconnez! Elle a demandé à jouer, elle avait pas l'air méchante. En tout cas pour le moment. Dans le rêve, elle était clairement maléfique. Ouais. Oui, là. Elle était un peu rejetée, elle a buté toute sa famille dans le rêve, donc faut admettre que c'est un peu. Bon. Ah ouais. Beaucoup quoi. Vrai. Oui, c'est Poulter, oui, tout à fait. Poulter. Mais je crois qu'il a joué dans Man of Medan aussi en tant que modèle. Le précédent. C'est pas toi qui chante, on sait, mec. Eh bien, voilà qui commence plutôt fort, dites-moi. La vertu est dans le juste milieu, sauf si...
Ciel, ce que les mortels peuvent être obtus. Ah, pas mortel. Nous nous félicitons parfois, au moment de nous réveiller, d'un rêve troublé. Ce non, il est né comme ça. Après la mort. Durant toutes ces années à voyager, j'ai été le témoin de scènes, de manifestations et de croyances, et il y avait souvent une part de vérité dans chacune d'elles. Ces pauvres gens semblent avoir affaire à des forces au caractère inexpliqué. C'est vrai, des mouvements sinistres dans la forêt, des esprits du passé, et cette fillette qui a des ennuis. Dans Black Mirror aussi. À moins qu'elle ne les cause, ses ennuis. Bah, tu m'étonnes, mais c'est clair. Enfin bref. Après, les causes peut-être pas contre sa volonté. Angela n'obtient que peu de confidences de la jeune femme. Oh, pas de petite cachotterie. Et ce bon John, notre figure d'autorité peut-être. À moins, au fond, qu'il n'incarne autre chose. Et puis, il y a Andrew. Un peu confus, à mon avis. Son choc à la tête, combien de sans mots doute. Je vous rassure tout de suite. Vous avez contribué à des décisions qui se révéleront payantes. T'es méchante. Et à d'autres qui pourraient s'avérer fort regrettables. Je suis dans mon cet personnage de... Angela Il était loin d'être serviable, franchement impoli, n'ayons pas peur des mots. Il semblait être... Les Miller, c'était avant, perturbé par quelque chose. C'était avant Labyrinthe, ouais. Assez. The Score, je connais pas. Il se passe des choses très étranges à Little Hope. Et des âmes sont peut-être en péril. Retournez sur place. Tentez de dissiper la brume. Trouvez le chauffeur de bus. Bah, c'est ce qu'on essaye de faire. Tu nous interromps pour rien, mec. Ouais, c'est pas fou, ça. Je coupe la VOD. Ça fait du... Comme ça, je ferai des épisodes courts. Bisous, VOD. À tout de suite.